بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont un droit exclusif d'Allah. Le premier qui n'a pas de début, Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa générosité et sa miséricorde d'une part, et sa justice d'autre part, qui, elle, est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin, chemin qui conduit vers le bien. Chemin sur lequel s'est mis l'ennemi du genre humain, Satan, sur lui ce qu'il mérite. Satan a juré par insolence, irrespect, ignorance et injustice à son Seigneur subhanahu wa ta'ala d'amener tous les fils d'Adam en enfer. Et peu s'en est fallu, n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que son serment et sa prétention, son objectif se réalisent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le sage par essence par excellence, le tout puissant surtout, a privé Satan de ce qu'il espérait. Sa jalousie et son orgueil l'ont amené à refuser à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disaient les compagnons du sallam, à l'unanimité, toute désobéissance à Allah procède de l'ignorance. On ne le connaît pas. Le siège de la connaissance de ce Seigneur, le seul digne d'adoration, est le cœur le cœur. C'est l'organe comme l'a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas de lui-même. Il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est saint, tout le corps est saint. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur Hadith rapporté par les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit également que le soir venu, Satan met son trône sur la mer. Et envoie ses enfants, c'est-à-dire les rebelles, parmi les djinns, parce qu'il y a deux catégories, il y a des musulmans et il y a des rebelles. Les rebelles parmi les djinns sur la terre pour essayer de d'égarer les musulmans. Ceux qui sont égarés déjà le sont, les fils d'Adam égarés, car là nous en préserve. Et c'est pour cela que nous demandons. On ne peut pas négliger, il n'y a pas dans l'islam des acquis. Il y a des acquis en science, certes, mais pour l'homme, il n'y a pas d'acquis. Nous ne sommes pas des revendicateurs en disant, je suis musulman, je suis né musulman, je vais mourir musulman. Non. Le prophète sallallahu alaihi sallam nous a mis en garde. On peut se réveiller musulman et dormir non musulman et vice versa. Lui-même, le meilleur des hommes, celui qui le connaissait le mieux, donc qui le craignait le plus, disait souvent, Au oh, toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ces shiatines, donc, ces satans, ont pour mission d'égarer les musulmans. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, 17 fois par jour, de ne pas connaître la, le sort des gens qui ont couru et colère, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils ne pratiquent pas, comme Satan d'ailleurs. Ils savaient qu'il y avait un jour du jugement dernier, comme il l'a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous le relate tôt dans son livre. Il savait, quand il a demandé à Allah de lui accorder un délai jusqu'à le jour où ils seront ressuscités. Or, malheureusement, beaucoup de gens, parmi les fils d'Adam, ne, ne savent pas qu'ils vont être ressuscités. Et qu'Allah bénisse celui qui disait souvent, « Man kana billahi wa Celui qui croit en Allah, disait-il, alayhi salatu wassalam, et au jour du jugement dernier. » Mes frères, mes sœurs, croire en Allah est une chose. Si Allah a voulu que l'on croit, que les articles de foi comprennent le jour du jugement dernier, il n'y a pas de hasard. Parce que nos comportements dépendent. Croire à un Dieu, c'est possible, mais un Dieu qui est juste, qui a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve, et qui a permis à Satan de détourner les gens qui ne sont pas sincères. Puisqu'Allah dit, subhanahu wa ta'ala, quand Satan, dans son ni respect, a promis à Allah de nous amener tous en enfer, Allah dit sauf mes serviteurs, que j'ai choisi mes élus effectivement qu'Allah nous compte parmi ceux-là. on ne doit compter que sur Allah pas sur soi-même celui qui compte sur soi-même pensant qu'il se connaît en réalité il compte sur Satan parce que Satan est un rusé Satan est déterminé on a demandé à l'imam Al Hassan al-Basri miséricorde est-ce que Satan dort il a dit ne m'en parle pas on aurait au moins eu s'il dormait un moment de répit s'il passe la nuit dans les narines, comme l'a dit le professeur Assalam, il ne dort pas. Et chacun d'entre nous en a. Un Satan a titré. Quand le professeur Assalam, dans le hadith rapporté par l'imam musulman, a dit que chacun d'entre nous en a, ils lui ont demandé, même toi, il dit, même moi, si ce n'est qu'Allah l'a soumis. Il ne m'ordonne que du bien. Et donc Satan, le soir venu, disais-je, met son trône sur l'eau et envoie ses troupes pour attaquer les humains, les musulmans en particulier, pour le détourner. Et il honore particulièrement, comme on l'a déjà vu un samedi, les gens qui ont réussi à séparer le couple, le conjoint de la conjointe. Quant à ceux qui ont réussi à pousser les gens dans la désobéissance à Allah, d'autres formes de désobéissance, il leur dit, ils vont revenir repentants. Ils vont demander pardon à leur Seigneur qui... J'ai manqué moi de demander pardon. Adam a demandé pardon malgré sa, son, sa désobéissance. Allah lui a pardonné. Quant à moi, je n'ai pas demandé, et voilà mon sort. Donc celui qui a, a, est arrivé à séparer l'homme de la femme et il le rapproche. C'est son fils préféré, en tout cas, de ce jour. Le cœur est l'objectif, entre guillemets, c'est la cible de Satan. Toutes les portes en réalité. Que Satan veut ouvrir, il veut trouver une brèche dans ce que Allah a mis dans le cœur du fils d'Adam, qui est le cœur, le morceau le plus précieux, le siège de la foi. Ibn Qayyim, quand sa miséricorde, il dit que Allah, dans sa miséricorde, a entouré ce morceau de chair d'une citadelle, et on peut le comprendre une citadelle imprenable, imprenable bien entendu, si Allah le permet, les anges sont là pour le surveiller, les gens sont là pour rappeler, pour nous pour nous inspirer, ils sont là pour repousser Satan. Alors Satan motive ses troupes, djinn et hommes, en leur disant surtout restez vigilants. C'est à cause de leur père que vous et moi irons dans ce qu'Allah a promis, sa promesse est vraie. Alors, surveillez. Surveillez cette citadelle et cherchez-y des brèches. Cherchez-y des brèches. Ces brèches, et regardez surtout quel est cet organe le plus proche du cœur. Moi, je l'ai identifié, c'est l'âme. Alors, essayez de perturber l'âme. Perturber l'âme dans la mesure où ce cœur, quand il est atteint, tout le reste l'est. Le prophète sallallahu dans ce qui nous a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad, également l'imam Tabarani a également rapporté ce hadith. Le prophète sallallahu nous a enseigné qu'il y a quatre types de cœurs. Il y a le cœur flamboyant. On imagine plein de lumière, brillant, dégageant du bien, c'est le cœur du croyant, du croyant qui est connaisseur de son Seigneur. Connaisseur de son Seigneur, qui l'aime, qui le craint, qui a l'espoir en lui, qui lui fait confiance. Et il a dit à salam, que le, les tentations sont présentées au cœur. Comme une natte, brin par brin, brin par brin, comme une natte que l'on défait. Grâce à cette lumière, à cette force de la foi et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur repousse la tentation. Mais le cœur qui n'a pas assez de foi ou qui a été atteint, nécessairement, va être impacté, va être blessé. Et s'il ne revient pas vers Allah, repentance, point noir sur point noir, au point qui devient un cœur qui est rouillé. Comme il a dit à le fils d'Adam fait un péché et un point noir se met sur son cœur. Il demande pardon, Allah ordonne d'enlever le point noir. Il ne demande pas pardon, d'autres péchés, le péché appelle le péché. Et la bonne action appelle la bonne action. Quand tu vois que tu, tu aimes le bienfait, tu aimes le bien, ce qu'Allah a ordonné, tu t'éloignes de ce que Allah a interdit, donc le, tu fais du bien, sache alors que c'est un bon signe pour toi. Parce qu'Allah est reconnaissant, comme le disait le chef de l'islam, que miséricorde, Allah est reconnaissant. Ce serait une avance dans ce bon monde, avant le delà. Mais quand tu vois que tu continues à prier, à jeûner, à dépenser, et que tu continues dans tes péchés, c'est qu'Allah n'a pas accepté en tout cas c'est mauvais signe pour toi. Le cœur flamboyant donc est un cœur qui connaît son Seigneur et qui fait de bonnes actions. Ça, il menait à faire salih. Il ne s'agit pas de l'adorateur qui est détourné facilement par les chiatines, qui leur présente la vie comme il la présente. Et ils la suivent parce qu'ils ne connaissent pas leur Seigneur. Et ne pas connaître nécessairement, c'est l'interdiction d'amour. Et celui qui n'aime pas Allah, bien entendu, c'est parce qu'il ne connaît pas. Et dans ce cœur flamboyant est plein de foi et de connaissance d'Allah. C'est les deux qui vont de pair. Ceux qui ont la foi et qui traduisent cette foi par les bonnes œuvres. Et la foi à 63 ou 73 et quelques degrés. Ensuite, il y a un cœur, a dit le prophète, deuxième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est enveloppé. C'est le cœur de l'orgueilleux. Rien n'y passe. C'est le cœur qui est irrigué, entre guillemets, comme un ulcère. Irrigué par du sang et du pu. Rien n'y passe. Il est fermé à la a décrété dans sa sagesse que ce cœur n'accepte pas la vérité. Il la voit, mais il ne l'accepte pas. Et qu'Allah bénisse celui qui lui demandait, al -haqqa, haqqa -wa tiba Allah, fais-moi voir la vérité telle qu'elle est et permets-moi de la suivre. Les gens voient la vérité. Des gens voient la vérité, mais ils sont incapables de la suivre. À cause d'eux, parce que le cœur est fermé, traduit par enveloppé. Rien n'y passe, imperméable à la vérité. Il la voit, mais il ne peut pas la suivre. Il y a une troisième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est renversé, car là nous en préserverons. Il est renversé, ça veut dire quoi C'est le cœur de l'hypocrite. C'est le cœur de l'hypocrite en ce sens que le vrai pour devient pour lui le faux, et le faux devient le vrai. Carrément, c'est inversé. C'est le cœur qu'il a appelé le cœur renversé. Il n'ordonne pas le bien le bien devient le mal. Et on le retrouve parfois, malheureusement dans la communauté, des gens qui ont inversé les rôles. Or, cette communauté est basée, s'il a été choisi par Allah, c'est bien parce qu'elle ordonne le bien, interdit le mal. Allah dit dans la surah al Imran 3, verset 110, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc celui qui n'interdit plus le mal, celui qui n'ordonne pas le bien. Certainement, va finir par avoir un cœur qui est renversé. Il va finir par aimer. Et c'est l'histoire de la mauvaise compagnie qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'il faut choisir. Et Allah, miséricordieux, comme on dit, Allah c'est le jour de la résurrection. Ba'dohum, les uns et les autres vont être opposés, vont être des ennemis les uns des les autres, sauf. Les gens qui craignent Allah. La compagnie ici, à force de voir les choses sans les changer, au moins par le cœur, on finit par avoir un cœur qui ne repousse plus le mal et ça devient de l'hypocrisie de Billah. À moins que Allah ne scelle complètement le cœur. Quatrième catégorie de cœur, c'est celle qui contient les deux matières contradictoires. Et il y en a beaucoup parmi les musulmans. Un peu de bien, beaucoup de mal. Et d'un côté, il y a cette matière qui n'est pas encore morte, mais qui est comme un feu mal éteint. Et de l'autre côté, il y a cette tentation à laquelle on succombe. Donc Satan motive. Il motive ses troupes, surtout qui ne vous échappent pas. Faites de la patience. Faites de la patience. L'âme étant l'organe le plus proche du cœur dit à ses troupes faites-lui désirer ce bas monde faites-lui embellir les choses pour qu'il ne réfléchisse pas aux conséquences que ce bas monde comme Allah le décrit subhanahu wa ta'ala est ce qu'il est marsal hayat dunya kama in anzalnahu min as-sama' wadhrib lahum mathalan hayat dunya

Enjolivez, enjolivez-les. Et son objectif, disent les gens de science, c'est enjoliver la vie d'ici bas, comme il l'a promis d'ailleurs, dans la Surah Hajjron. Parce que tu m'as détourné, dit-il, en substance, je vais les enjoliver, la vie sur terre, et je vais les égarer. Vous pouvez trouver l'original, la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans la Surah Hijr 15, verset 39, et le 40 qui suit. Un joli vie, la vie d'ici bas. Donc les gens de science disent fais attention, quand tu vois une chose jolie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose, mais fais attention. C'est qu'il y a une tentation peut-être derrière. Et comment il enjolivre? C'est par attaquer l'œil, attaquer la vue, parce que c'est la vue qui voit. La vue, j'entends par là l'organe. Je ne parle pas de la vue et de la vision qui est dans le cœur. Comme Allah dit dans la surah 22, al-Hajj, verset 46, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est bien le cœur qui est dans les poitrines. Donc cette vue, c'est celle qui est en qu Donc ça salive. Tu as le désir. Tu as le désir de posséder. Et donc ça amène le hobo Comme Allah nous a prévenu. le zooyina l'ilna minan nissa. Il a l'achre aya. Il, on a enjolivé aux hommes l'amour des biens matériels, l'amour des femmes, des enfants, des biens matériels, et il a cité les trésors et les chevaux, etc. etc. Mais tout ceci, bien entendu, ce n'est que mata, ce n'est qu'une parure de ce bas monde et pour peu de temps. Enjoliver, c'est le, le premier objectif pour toucher le cœur. Tu salives, tu as, tu as envie de goûter. Et c ce qui a fait sortir ton Père de notre Père, du paradis, c'est bien l'avidité, comme le disait Ibn Qayyim. l'une des trois sources de tous les péchés. Tu as plus que besoin, tu as plus que ce dont tu as besoin. Mais on va t'enjoliver l'autre, on va t'enjoliver la chose, et tu vas oublier, comme notre Père qui a oublié, et tu vas aller vers ce que Allah t'a interdit pour ton bien. Donc c'est la première cible la première porte d'entrée pour atteindre son objectif qui est d'enjoliver la vie de ce bon monde et que tu oublies l'au-delà. Cette vie éphémère, qu'Allah compare à une eau qui descend du ciel et qui fait pousser des fruits, qui fait pousser plutôt des arbres et des herbes et ensuite qui deviennent desséchés et que le vent emporte. Comme tu vois ceux au seuil de la mort à cause de l'âge ou à cause de la maladie, tu ne les reconnais même pas. Qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux leurs bonnes actions et leurs péchés et rien d'autre. Tout ce qu'ils ont possédé, trois choses accompagnent le mort, comme l'a dit le professeur Salam. C'est bien, sa famille et ses actions. Les deux premiers retournent, il ne reste que les actions. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le professeur Salam, il, le, il, il enlève l'amour de ce beau monde dans son, de son cœur. Il enlève l'amour, je ne dis pas. Il faut avoir le monde dans les mains, bien sûr. Il ne s'agit pas de la main qui donne, la main qui est supérieure, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Il ne s'agit pas de vivre de demandes de, de sadakat, etc. De parasitisme et vivre au crochet des autres. Non. Il s'agit de donner. Celle qui donne est meilleure. Pour donner, il faut avoir. Donc il faut travailler dans ce qui est permis et ne pas manquer de se faire du bien en donnant. La sadaqa n'a jamais amoindri le bien de qui que ce soit, comme l'a dit le prophète sallallahu sallam. Alors, cette, euh, ce premier axe ou ce, cette première cible, c'est la vue, l'œil. Ensuite, l'embellissement, le désir qui naît et les espérances qui augmentent. Et c'est une des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi sallam, quand il nous a parlé... Et la fornication, Allah ne l'interdit pas. Allah interdit tous les prémices. Voilà ta Allah ne dit pas, ne, ne forniquez pas. Il dit, ne, ne vous approchez pas. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète Il y a une part de fornication qui est intimement liée, pour ne pas dire qu'il est dans les gènes du fils d'Adam, personne ne peut y échapper. Et il a commencé par quoi La fornication des yeux. Et la fornication des yeux, c'est le regard. C'est le regard. Qui est loin d'être contemplatif. La fornication des oreilles, c'est la fornication de lui, c'est l'écoute. Celle de la main, c'est le toucher. Les pieds, c'est marcher vers. Et le cœur espère. Donc, c'est cette citadelle qui a eu des brèches. A commencer par quoi Par l'œil. Et c'est l'une des sagesses. Et Allah est le seul sage. Pour lesquelles Allah commence, quand avant d'interdire ce qu'il a interdit, il ordonne aux croyants dans la surat nur surat 24, verset 30. Et aux croyants dans le verset 31, dis aux croyants, dit leur ordonne-leur de baisser une partie de leur égard et de préserver leur sexe. C'est mieux pour eux, c'est plus pur. Et dis aux croyants dans le verset 31 de baisser une part de leur égard. Les savants. Française, il n'y a pas de hasard, on le sait. Même un waouh, comme on a dit par rapport à l'enfer et le paradis, même un, une seule lettre waouh peut avoir un sens pour celui qui contemple et qui réfléchit, bien sûr. Là, Allah dit, Allah dit, dit aux croyants de baisser, certains traduisent baisser le regard. Si tu comprends le regard, par une partie de leur regard, peut-être, pour éviter des obstacles, tu es bien obligé de regarder. Mais en baissant le regard, tu pourrais les éviter. Mais ce n'est pas ça. Allah dit ab c'est-à-dire dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Il s'agit pas de de ne pas apprécier un beau coucher du soleil ou de ne pas apprécier la nature ou de ne pas apprécier ton épouse ou ton époux, tes enfants ou ce qui t'est permis. Non, c'est une partie. En fait, il dit Ali radiallahu le premier regard est pour toi, le second est contre toi. Voir et regarder, c'est différent. Allah ici parle de du fait de regarder. C'est ce qui est interdit pour ce qui est interdit pour ton bien. Parce que la flèche, elle atteint ton cœur. Le désir, il naît. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu reviens vers Allah repentant et il l'efface. Il l'efface. Si tu ne reviens pas, désir sur désir, tu espères, tu et tu seras tenté. Satan va t'embellir, cette personne ou cette chose, et tu finiras par revenir à la charge, prétextant que tu regardes de l'autre côté, prétextant que tu allais chercher autre chose, et Allah va t'éprouver, tu vas rencontrer la même personne, ailleurs, et tu vas dire, il n'y a pas de hasard, et les regards se croisent, et ça commence par là, et ça finit par un, par, un saisir, par, par un sourire, et ça peut aller bien plus loin. Allah dit de baisser une partie du regard et de préserver ce qu'il faut préserver. C'est bien pur pour vous. Et on reviendra, Inch'Allah, sur l'attaque de Satan, entre autres, dans la prière. Ce regard, cette photographie, cette, cette capture d'écran, puisqu'on parle de réseau, cette capture d'écran que tu fais, toi, tu penses que c'est fini. Je dis, non, 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 j'ai dé, détourné le regard. En pleine prière, Satan il te l'amène. Quand tu ne l'attends pas. Il a été mémorisé. Il est dans une case. Il vient le réveiller, se souvenir. Il vient t'éloigner ou couper le lien avec Allah Subhanahu wa Ta'ala quand tu en as le plus besoin. Mais tel n'est pas notre propos ce soir. Ce regard, si Allah te dit de baisser une partie du regard, c'est pour toi. Parce qu'Allah sait que c'est... La, la une des cibles privilégiées de Satan dans le corps du f... fils d'Adam et de la fille d'Adam parce que il y a une brèche qui va s'ouvrir dans cette citadelle et Satan va rentrer par cette brèche là va te faire désirer rappelle- toi que ton père et ta mère Eve et adam c'est par là qu'il est passé en joli son objectif, c'est un jour lever la vie d'ici-bas pour que tu oublies l'au-delà. Le premier péché est parti de là. Adam, est-ce que tu ne veux pas que je te dise pourquoi Allah t'a interdit cet arbre Si tu, si tu l'arbre de l'immortalité, tu manges de cet arbre, tu as pu le mourir. Mensonge, faux serment, il jure par Allah, alors qu'en réalité, c'est faux. Mais ensuite, quand il a mangé... Quand tu as fait le péché, ma soeur, mon frère, quand tu l'as fait ensuite, qu'est-ce qui te reste? Des yeux pour pleurer et encore. Et encore. Le plaisir que tu as eu, il va être un témoin probablement contre toi que tu vas tu regrettes dans ce bas monde. Si Allah te fait miséricorde, sinon dans l'au-delà, certainement tu vas le regretter. Une fois que le regard s'est posé sur ce qu'Allah a interdit, alors... Et quand tu reviens vers Allah en demandant pardon, Allah te l'efface. Sincèrement, pardon, Allah te les fasse. Si ce n'est pas le cas, regard sur regard. Comme l'a dit le prophète, le péché, ensuite il n'est pas pardonné et le cœur est rouillé. Il dit, c'est à cela que fait allusion, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Surat 83, Al-Mutafifin, ala qulubihim ma yaksiboun. C'est ainsi que leur cœur a été rouillé par rapport à en conséquence de ce qu'ils ont fait ou de ce que leurs mains ont perpétré. Ça, c'est la première brèche. Et c'est la plus sensible. Même si ce n'est pas la plus importante, c'est la plus sensible. Ensuite, il les miséricorde. Lui dit Attaquez-vous à l'oreille, attaquez-vous à lui qui n'entendent surtout pas la vérité, que la vérité ne lui parvienne pas, qu'il soit dans l'insouciance entre ce qu'il entend sur les réseaux sociaux, ce qu'il entend à la télé, ce qu'il entend ailleurs, ce qui ne lui profite absolument pas. Le lago, ce qui est inutile, ce qui ne lui apporte aucun bien. Et ne lui laissez surtout pas écouter la vérité. Ni le Coran, ni le hadith, ni une parole sage, surtout pas. Quand on rentre dans une mosquée, il y a un cours, on dirait que tu rentres pour venir, tu espères, venir prier, ce n'est pas encore l'heure, profite, -en. assieds toi, écoute quelque chose. Ne sais tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala les anges qui parcourent la terre, qui cherchent les cercles de dhikr, les cercles de rappel. Et quand ils en trouvent, ils s'appellent les uns les autres, venez venez. Voilà ce que l'on cherchait. Ils couvrent de leurs ailes le cercle de rappel d'Allah subhanahu wa taala. Et ensuite, quand ils ont le cercle terminé, ils le montrent vers Allah subhanahu wa taala, qui leur demande, bien qu'ils les sachent avant de les avoir créés, d'où vous venez. Ils disent nous venons de la terre. Et qu'est-ce que vous avez vu on a trouvé sur cette partie des gens qui t'évoquent. M'ont-ils vu Non, ils ne t'ont pas vu. Et s'ils m'avaient vu, demande Allah. Les anges répondent s'ils si t'avaient vu, ils auraient encore été plus assidus dans ton rappel. Et qu'est-ce qu'ils demandent Ils demandent le paradis. L'ont-ils vu Non, ils ne l'ont pas vu, Seigneur. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants, disent les anges. Allah leur demande contre quoi il demande protection. Le Seigneur, il demande protection contre l'enfer. L'ont-ils vu Demande Allah. Et les anges répondent. Ils disent la vérité, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, il demande Allah. Ils répondent, s'ils l'avaient vu, ils auraient été plus demandeurs, plus insistants dans la demande contre l'enfer. Alors Allah dit, et sa promesse est vraie, je vous prends à témoin que je les ai pardonnés à ceux-là. Ils ont assisté à un cercle. Où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les anges disent, mais il y a un tel qui est venu, il est juste de passage, il n'est pas venu pour écouter en fait. Il ne fait pas partie de ceux qui sont venus pour écouter le cours ou la conférence ou euh, le live ou je ne sais quoi d'autre. Et Allah dit, lui aussi je lui pardonne. Parce que ce sont des gens en compagnie de qui on ne peut pas être malheureux. Donc Allah nous pardonne et compte. Donc ce live et bien d'autres comme des cercles de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on rentre et qu'il y a un cours, au lieu de se dire, oh mon Dieu, quelle chance j'ai, Allah m'a amené là, certainement parce qu'il veut, il veut m'accorder peut-être un pèlerinage complet. En effet, celui qui vient dans une mosquée pour écouter un cours, ou celui qui donne le cours, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis un pèlerinage complet et accepté. Mais Satan va te dire, non, 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 n'écoute pas ça, encore, il parle encore de ça, non, ça je connais. Pour aller quoi Sur ton téléphone. Ou, pire encore, trouver un autre shaitan dehors en train de parler des choses et d'autres en tant que tu as perdu. Et parce que Satan ne veut pas que tu entendes ça. Et donc Ibn Khaïm il dit, le deuxième, la deuxième cible, c'est lui. Surtout qu'il n'entendait pas, ni le Coran, ni le rappel. Et s'il est là, dans la mosquée ou ailleurs, ou dans le live, s'il est là, il faut l'empêcher de méditer sur ce qui s'est dit. Ne le laissez pas comprendre. Ne le laissez pas le temps de méditer et d'en tirer des leçons et de pleurer et de revenir vers Allah repentant. Au moins, après, après ce cours, il a changé. Non, il ne faut surtout pas qu'il ne médite pas, qu'il ne, qu ne réfléchisse pas. Et pourtant, si le Coran a été révélé, bien entendu, ce n'est pas pour le lire sur des morts. C'est pour les vivants. Quand on parle de vivant, on parle de cœur vivant. Quand il y a les rappels, quand il y a tout ceci, c'est pourquoi. C'est pour qu'on qu en tire des leçons. C'est pour qu'on en tire des leçons. Et Allah dit la vérité. Et donc, cette huile, bien qu'elle soit présente physiquement avec l'appareil auditif, ça rentre par une. Oreille, si c'est une bonne parole, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Par contre, si c'est autre chose, ça commence à faire tourner la tête, ça commence à danser. Ça apprécie, Chacun te le fait apprécier, Comme si tu en tirais quoi que ce soit. Et tu as oublié l'au-delà et ce qui t'attend. « hadithi ilm wa muhin » Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la Surat 31, il y a des gens qui achètent, la veine parure ou les veines jouissances ou quoi d'autre, Ibn Masoud disait, Allah fait allusion à, à la musique, aux gens qui écoutent, pour détourner, parce que le prophète, quand il parlait d'Allah, les polythéistes parmi les Arabes de son, de son, de son temps, achetaient le service de, de, de chanteuse, pour détourner du de, de, de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran. Il s'agit, d'après ce qu'on peut trouver dans les livres de référence, Ibn Kathir ou d'autres, de l'explication de ces versets-là, au début de la sourate Luqman du chant pour détourner de la vérité. Et donc, après cette deuxième cible, il y en a une troisième, une porte d'entrée. Oh, combien utilisée! Un mauvais escient, c'est la langue, ou c'est la bouche. Quand tu as regardé et que tu as été tenté et que tu as écouté, alors il te reste à parler. Soit tenté, parler de vrai, parler du faux, finalement du faux. Et disait Ibn Qayyim, c'est la cible principale, la langue. En effet, comme vous le savez certainement, le hadith très long et très beau de Mourad Ibn Jabal al il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui Enseigne-moi quelque chose qui va me rapprocher du paradis Et m'éloigner de l'enfer Enseigne-moi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Toi qui as été envoyé pour cela Enseigne-moi Ce qui va me rapprocher du paradis Et ce qui va m'éloigner de l'enfer Le prophète sallallahu alayhi wa lui dit Tu viens de demander une chose Difficile Mais Allah le facilite à qui il veut Adore Allah sans rien lui associer, célèbre les, les prières, donne la part du pauvre jusqu'à la fin du hadith. Et ensuite, il a conseillé de se lever la nuit pour prier. Et ensuite, il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise ce qui tient tout cela, tout l'islam, ce qui te fait rapprocher du paradis, ce qui t'éloigne de l'enfer Il a dit, bala, là, il y a certainement un message d'Allah. Il a tenu sa langue. Il a dit, tiens, tiens celle-là. Il a tenu sa langue. Et moi, de s'étonner, ce jeune savant, c'était le savant de la communauté. Allah lui a donné une compréhension de l'esprit et de la lettre de l'islam. Qu'Allah l'a gré ainsi que tous les compagnons du Prophète Sallallahu Il a dit à Rasulallah Est-ce qu'on va être jugé pour ce que les, la langue va proférer Il a dit une expression arabe qui ne veut pas dire ce que l'on peut entendre maintenant. Il dit Sakhulat Ummuk que ta mère te perdra, c'est-à-dire pauvre de toi. Ce n'est pas une malédiction. Pauvre de toi. Et dans d'autres versions, à d'autres compagnons, il disait, je te croyais plus intelligent. Donc c'est une expression pour dire, tu ne sais pas ça, pour insister sur l'importance de la chose. Il dit, est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, est due à ce que la langue profère, de mensonges, de calomnies de médisance, de ce que Allah seul sait. Voilà un organe qui ne se fatigue pas, disait Ibn Qayyim. Les autres organes se fatiguent. Voilà un organe qui ne se fatigue pas. Il ne fait que tourner. Si tu ne l'utilises pas dans le bien, il y a du bien. La lecture du Coran, la demande de pardon, le rappel d'Allah, la repentance, tout ceci honore la langue. On dit que l'okman alayhi salam on dit que c'était il était au service de quelqu'un qui l'a envoyé au marché pour chercher le meilleur des organes. On dit qu'il a ramené la langue d'un animal. Bon, n'était pas impressionnant mais c'était très étonnant. Et que le même l'a envoyé pour amener le pire des organes et qu'il a amené à nouveau la langue. L'autre lui dit mais comment cela se fait-il Il dit parce que vois-tu voilà un organe qui, s'il est bien, c'est le meilleur des morceaux. Et s'il est mauvais, c'est le pire des morceaux. En effet, le hadith qu'on qu peut considérer comme bon au travers des différentes voies de transmission, c'est le hadith du professeur Allah qui disait que quand on lui a demandé quels sont les meilleurs, il a dit que ce sont les gens qui se rappellent le plus à Allah. Et on se rappelle par quoi Par la langue en particulier, quand ça descend, où ça vient du cœur. Certainement, c'est le meilleur. La langue et le cœur sont les deux meilleures façons de se rappeler Allah. Mais l'un des, des, des deux est également appelé écrans Et on lui demandait parmi les gens qui font la prière, il dit c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Et parmi les gens qui jeûnent, il aurait répondu c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Et parmi les gens qui combattent, il a dit c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Ils ont alors tout emporté Il a dit bien sûr. Donc cette langue peut être la source. Le prophète il a dit en substance l'homme peut dire des mots par lesquels il n'envisageait ne, pas, ou il ne prétendait pas, ou il n'espérait pas, tant des mots qui rencontrent l'agrément d'Allah au travers de ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala fait, le fait remonter dans sa miséricorde, tout proche. Alors qu'il peut proférer un mot sans y prêter attention, notamment ces gens, entre, comme je vous l'ai dit, le lol et le mdr, des mots par lesquels ils ne pensent pas avoir fait du mal, et qui rencontrent la colère d'Allah, ça les fait tomber dans l'enfer, la tête la première, d'une distance qui, qui, est, qui est supérieure à celle qui sépare le ciel de la terre. Ceux qui aiment faire rire les gens, etc. Non, non, mais c'est juste une parabole. Non, c'est juste pour rire. Non. Le procès ça me disait, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Et sourire, il était l'homme le plus souriant du monde. Le meilleur des hommes est le plus souriant. C'est conseiller. c'est même une sadaqa. Quand il le faut, bien sûr. Mais le rire, c'est preuve d'insouciance, d'oubli d'Allah, d'oubli de ce qui t'attend au jour du jugement dernier. Si les animaux, a-t-il dit, alayhi salatu salam, ce que vous, vous savez, sur le jour du jugement dernier, vous n'en aurez pas eu de la chair. Ce ne serait que squelette, dans le sens de ce qu'il a dit, alayhi salatu Donc la langue doit être utilisée pour le rappel d'Allah. subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas le cas, alors il va être utilisé pour autre chose. Man kana wa khayran celui qui croit en Allah est au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. L'imamana wawi la il commente ça dans Riyad salihin. Il dit, quand tu hésites, tu ne sais pas si c'est du bien ou c'est du mal, la sunna, c'est de se taire. Bienheureux, c'est qui s'en rappelle. Bienheureux, c'est qui s'en rappelle. Au travers de la langue, et Allah seul sait combien nous faisons de péché au travers de la langue. Combien d'entre nous ont été préservés? On a demandé à quelqu'un pourquoi il ne parle pas beaucoup. Il a dit parce que j'ai rarement regretté de n'avoir pas parlé. Mais j'ai souvent regretté d'avoir parlé. Et un autre disait, si on monnayait les mots, peut-être que on parlerait moins. Comme c'est gratuit, on se permet de parler, de parler sans compter nos mots. Et pourtant tout est écrit. il a la dehi, Allah dit dans la 50. Il ne prononce pas une parole s'il n'a pas un écrivain qui le met par écrit. Et donc cette langue, c'est, sauf exception, la principale cible. Même pour les aveugles, qui n'ont pas besoin de baisser les, les yeux. Même pour les sourds, qui n'ont pas besoin. Et un sourd mieux, que Allah a éprouvé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et les rafferme, et les raffermisse. Néanmoins, même là, entre le langage des signes et le reste, et ça parle beaucoup, et pas toujours la vérité, entre les mensonges, la médisance, la calomnie et le reste, c'est dans tous les milieux, sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé. Voilà trois cibles, et ce ne sont pas les seules. Ce ne sont pas les seules. Et recherchez, alors, si vous arrivez par la cible la plus proche, qui est l'âme, par le désir, par le regard, si vous n'y arrivez pas, alors, lui, si vous n'y arrivez pas à la langue, là, vous n'allez pas le rater. Les yeux, les oreilles, il y en a deux en plus, et une seule langue. Si par cela vous n'y arrivez pas, alors, Attaquer le ventre. Attaquer le ventre. Le professeur Salama a dit, Allah ne se cherche pas à savoir par quelle porte faire rentrer le fils d'Adam à en l'enfer si celui-ci ne cherche pas l'origine de ce qu'il consomme. Sans compter que l'homme est avide, comme on a dit. Il mange, et beaucoup, et il consomme tout et n'importe quoi. Parce que le désir a été créé et on remplit le ventre. Le professeur a dit en substance, le fils d'Adam n'a rien rempli de pire, de pire que son estomac ou son ventre, selon la traduction qu'on peut en faire. Quelques, gorge, quelques bouchées suffisent. Donc comment Quelques bouchées suffisent. Et si vraiment il doit insister, il doit prendre plusieurs bouchées, qu'il garde un tiers seulement pour le manger, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Donc, de ce que nous consommons, bien entendu, nous en a, nous consommons beaucoup et on sait, et on y reviendra là-dessus, que l'alimentation est quelque chose d'extrêmement important et son origine, entre autres, pourquoi on est là en train de se plaindre, pourquoi, pourquoi Allah n'accepte pas nos invocations. Le Prophète nous a donné l'exemple de celui qui voyageait, qui continuait et qui approfondissait ses voyages spirituels. Les cheveux ébouriffés, ses vêtements poussiéreux, recherchant la pénitence, la cèse. Mais comme l'a dit le Prophète, ce qu'il mange haram, est qu haram, ce qu'il boit est haram, ce par quoi il se vêt il se vêti et Haram. Il est là, Yarab, Yarab, au oh Seigneur, au oh Seigneur. Et le professeur m'a posé la question qui a une réponse claire. Comment est-ce qu'il veut être exaucé? Et donc, comme il est bien connu de tous, musulmans, non-musulmans, plus tu manges, cela va de pair avec la paresse, avec le sommeil, avec la nonchalance, avec le manque de vivacité de l'esprit. Je ne parle même pas du corps. Ça t'alourdit et tu n'as qu'une envie, c'est de ne rien faire. C'est qu'aime bien l'âme. Et donc tu deviens inoffensif par rapport à Satan. Il te fait perdre ton temps. Et si tu dors, c'est encore la meilleure solution peut-être pour toi. Et une cinquième cible, c'est les mains. Et une sixième, c'est les pieds. Ces deux sont les soutiens. Et du regard, et de lui, et du parler ou de la langue, et du ventre, c'est marcher vers ce que Subhanahu wa Taala aime ou alors n'aime pas. Faites-le subir le sort de celui qui ne cherche pas à faire du bien avec ses mains. Et donc la main est utilisée et pour des choses que Allah n'aime pas. En tout cas, il n'est pas pour des choses qu'Allah aime. Le toucher de ce qui est interdit, le vol et tout le reste. Quant aux pieds, il marche vers là où Allah n'aime pas. Et comme Allah dit Subhanahu wa Ta'ala, il devient les mains, les pieds de celui qui est son allié. Dans le hadith d'Abu Dhar, rapporté par l'imam Muslim, qui est le hadith très connu et bien-aimé des savants du Cham, Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les nawafil, ce qui s'est imposé lui-même jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il marche. Comme s'il parlait, subhanahu wa ta'ala, de ses cibles, ce qu'il a préservé dans la citadelle pour protéger le cœur. La main par laquelle il saisit. Quand il saisit une chose, c'est parce que c'est pour Allah. Les pieds par lesquels il marche, quand il va vers une chose, c'est pour Allah. Il va là où Allah aime le voir. Et il ne va pas là où Allah n'aime pas le voir. Par rapport à cette situation. Et quand il me demande, dit Allah, je lui donne. Et quand il m'invoque, me demande pardon, je lui accorde. Et dans une version, si je devais hésiter sur une chose, c'est reprendre l'âme de mon serviteur. Le serviteur n'aime pas la mort, et moi je ne souhaite pas le voir souffrir. Jusqu'à la fin du hadith. Quant à la compagnie, elle paraît peut-être moins importante et pourtant elle l'est. La compagnie, comme l'a dit le professeur, la bonne compagnie reste la bonne compagnie. Qu'Allah nous accorde une bonne compagnie. Celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant toute chose. Parce qu'elle est avec celle des anges et la bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celle des frères et des sœurs. Comme j'espère dans ce live et dans bien d'autres en train de se rappeler, en train de regretter, en train d'espérer sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quatre types de compagnies. Malheureusement, souvent, on, en fait, on, ne, on, on ne cherche pas la meilleure. Ibn Qayyim, yali, il y a une compagnie qui est indispensable. C'est celle d'ex-savants. C'est comme le médecin. Chaque fois que tu en as besoin... Chaque fois que tu ressors de là, ne serait-ce que moralement, tu es un peu plus guéri, tu es moins malade. Tu apprends ce que tu ne sais pas, tu sors de l'ignorance. Or, les pires des maladies, certainement, c'est les maladies du cœur. Ce sont ceux, les héritiers des prophètes, les savants, qui enseignent ceux que Allah leur a laissés. Et toutes les louanges sont à Allah, qu'il a purifié, qu'il a gardé, conservé pour les gens qui ont un cœur, pour les gens qui aspirent à sa rencontre, pour les aider à s'acquitter de ce pourquoi ils ont été créés, à savoir son adoration. Dernier verset, 110, la sera 18. Celui qui espère, c'est que celui qui est convaincu, disent les savants, de la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse les bonnes œuvres. Et qui n'associe personne à son Seigneur. Et donc, ceci ne peut se faire que par la connaissance. Et quand tu ne connais pas, face à l'ou, à le Quand tu ne sais pas, bien entendu, à part Esa et qui d'autre, à la naissance, ne pouvait ni parler, et encore moins au nom de science. On apprend. On apprend. Il n'y a pas de honte à demander. Et donc, quand tu ne sais pas, tu demandes. Ce n'est pas un vice, ce n'est pas, pas une honte. Il faut demander. Parce que c'est ce qui va te rapprocher d'Allah, ça c'est la meilleure des compagnies. Il ne s'agit pas bien entendu de rester inactif, comme on l'a dit tout à l'heure, de ne pas travailler, de vivre des salakats et de rester toujours à la mosquée. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de chaque fois que tu as l'occasion, c'est de vouloir, d'être avec là où on parle d'Allah, là où on parle de sa miséricorde, là où on parle du paradis, là où on met en garde contre l'enfer. Oui, là, tu auras une réduction par rapport aux heures que tu passes sur les réseaux sociaux, là tu auras une bénédiction, inchallah parce que c'est la compagnie d'Allah, la compagnie des anges, la compagnie des gens de bien. Et ceci t'apportera, inshaAllah, ce que tu espères et bien plus. Il y a une compagnie qui est indispensable, mais qui n'est pas forcément recherchée, mais qui est indispensable. C'est celle-là. C'est comme celle du boucher, celle du, euh, du commerçant dont tu as besoin. Tu pars juste. Parce que tu en as besoin, et tu le prends, et tu repars. Tu ne restes pas au marché. C'est la pisse, c'est le champ. Le marché est le champ de guerre. C'est le champ de combat de shaitan. On fait oublier Allah, et on ment pour vendre, et on ment pour acheter, et on jure pour Allah, etc. Ce pas, je, ne parle pas, je ne dis pas que les commerçants sont des alliés de shaitan. Je dis simplement le marché, l'atmosphère est là. C'est pour cela que le meilleur doigt, certainement, comme partout, mais surtout au marché, vaut des millions. C'est lui qui, grâce à Allah, arrive à faire cette invocation alors que tout est exposé, les désirs sont là, tout attire vers ça, qui arrive à faire cela, Allah le récompense par un million de bonnes actions. Et Allah est encore plus généreux. Donc, cette compagnie, tu n'as pas le choix. Ne dis pas, je ne vais pas chez le docteur, je ne vais pas chez euh, le dentiste, je ne vais pas chez ceci et cela. Non. Là, tu peux le faire. Et tu dois le faire parce que tu en as besoin pour boire, tu en as besoin pour manger, tu en as besoin pour vivre, pour te soigner, etc. Mais ce n'est pas un endroit où tu vas t'installer. Un troisième, troisième type de compagnie, c'est la compagnie des gens qui sont lourds. Et Allah sait qu'il y en a. Qui aiment s'écouter. Qui aime parler d'eux, tu n'apprends rien. Il, il, il ne s'était pas pour apprendre les gens et il ne fait que parler, de parler de lui ou des choses futiles. Et ça, je ne dirais pas, ce n'est pas seulement que des gens. Ça, c'est souvent la télé, c'est souvent les journaux, c'est souvent autre chose. Si tu pars pour chercher une information, cela te suffit. Mais tout le temps que tu auras passé entre la publicité et le reste, Qu'est-ce qui va te rester comme temps à exploiter pour te rappeler Allah Rien ou très peu te rappelle ton retour vers Allah Subhanahu Wa Taala la vie dernière. Ce sont les gens qui sont lourds. Quand tu sors de là, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller dormir et encore et encore, ou alors changer de chaîne. La quatrième compagnie qui est pire encore, c'est la pire des compagnies, c'est le fait de fréquenter des gens. Du mal et qui appelle au mal, qui appelle à l'innovation, qui appelle à la désobéissance à Allah, là c'est mortel. Ibn Qayyim il dit c'est le, le pire. Insidieusement, sans que tu le saches, dis-moi que tu es, je te dirai qui tu es. Tu fréquentes des innovateurs, tu n'es peut-être pas un innovateur, mais tu vas appliquer ces innovations. Comme on dit dans un pays que je connais, on prend de son compagnon. Tout sauf sa beauté. Que tu le veuilles ou pas. Même ces mimes, même ces tics, tu te découvres pourquoi finalement le mari ressemble à, la, à, à, à sa femme et vice-versa. Parce qu'à force de se fréquenter, il y a des mots que l'on utilise. Ou quand tu fréquentes, quand tu vas pour un voyage, tu reviens souvent avec des mots. Ah ouais, c'est nouveau ça. Tu ne disais pas ça Oui, parce que je fréquentais des gens qui le disaient. Insidieusement, ça rentre dans ton langage. Et des gestes, et des mots, et des attitudes. Voilà. C'est normal. C'est pour cela que la compagnie est extrêmement importante. Et qu'est-ce qui t'y amène Ce sont tes pieds en général. Tes pieds t'amènent vers ce type de compagnie. Et si Satan t'amène vers ces endroits, c'est bien parce que la citadelle va avoir des brèches et il va essayer de s'enfoncer dans ces brèches-là. Et donc ce qu'il recherche, c'est trouver un point d'accès. Et une fois qu'il a le point d'accès, alors il s'installe. Il s'installe pour te détourner sur la terre. Le jour venu, il envoie ses troupes. Et celui qui a une couronne, c'est qui C'est celui qui a égaré un fils d'Adam qui croyait, un musulman, je dirais, dans le sens de soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là qui a la couronne. Et donc dès que tu ouvres les yeux, jusqu'à ce que tu les refermes, il ne se repose pas. Il a une armée qui va t'attirer vers le mal. Pour résumer tout ce que l'on a dit tout à l'heure, l'imam bin Qayyim, quand fasse miséricorde, en particulier dans Péché et Guérison, le livre qu'on lui attribue, en tout cas on lui a donné un joli titre, hein, mais il a, il a, ça fait partie de ses écrits. Ce livre qu'on a sorti de ses écrits qu'on appelé Péché et Guérison, il disait, en fait, il interprétait la surat, le dernier verset, verset 200, la surat Ali Imran. La surat Ali Imran. La surah 3, Allah dit, le dernier verset, « Ya amanu, sbiru, wa sabiru, wa rabithu, wa taqullaha la'allakum tuflihoun. Oh, » Aux vous les croyants, patientez. Persévérez dans la patience et soyez vigilants. Craignez Allah afin que vous réussissiez. Notre vie durant, quelque part, doit être centrée sur ce verset-là et pour cause c'est la même racine, hein? c'est le sabre, sabara, sabara, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de la langue et de ce mot-là, de, sa, de sad ben era. ils viennent tous de la même racine. Mais ce que Allah lui a fait voir, c'est que vous qui êtes déjà croyants, Sbiro, patienté, c'est-à-dire, obéissez à Allah. La patience, comme vous le savez, Disent les savants, c'est trois choses. Dans la patience, il y a trois choses. Il y a le fait d'être patient, constant dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance à Allah. Il y a, deuxièmement, c'est le fait d'être patient de, dans la, il y a le fait de repousser ce qu'Allah a interdit. Allah n'a rien ordonné que ce qui est indispensable à la vie, la vie du cœur en particulier. Allah n'a rien interdit que ce qui souille. Que dis-je qui tue le cœur. Et donc les deux vont de pair. S'biru, soyez patient. Pourquoi? Parce que la vie c'est epsilon par rapport à l'infini. La vie c'est très peu de choses. Personne n'a emporté avec lui ce qu'il a amassé. Et l'au-delà c'est l'éternité. On en a déjà parlé dans neuf épisodes de l'au-delà. L'au-delà c'est l'éternité qu'Allah nous réserve le meilleur dans l'éternité. C'est pour cela que celui qui, dans l'au-delà, aura subi dans ce bas-monde, les pires des épreuves, si on peut l'appeler ainsi, et les plus éprouvés sont les prophètes, que Dieu les bénisse. Celui qui a été, on dira aujourd'hui, malheureux dans ce bas-monde, il n'était pas malheureux, il devait être heureux quand même, qui a été triste, très éprouvé, plutôt, et qu'Allah va lui mettre, ordonner qu'on le mette au paradis, tant soit peu. On dirait une seconde, fraction de seconde, peu importe. Le paradis, c'est ce qu'aucun n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Celui donc qui aura été récompensé parce qu'il a vécu patienté dans ce bas-monde, bon on va le mettre au paradis, on va le faire sortir, on va lui demander ce qui n'a jamais été malheureux, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. Quant à celui qui a préféré la vie de ce bas-monde, bon quand on va le tremper en enfer pour son injustice, tant soit peu, fraction de temps, on va le faire sortir de là, il va jurer par Allah, on va lui demander ce qui as déjà été heureux, il va jurer par Allah qui n'a jamais été heureux. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas ce que l'on désire dans ce bon monde. La richesse, la notoriété, le pouvoir, et je ne sais quoi d'autre. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Et c'est lui qui a tout créé, nous l'a décrit de la meilleure façon. Donc, Sbiru patiente. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a regretté d'avoir patienté. Mais j'en ai vu beaucoup, à commencer par moi-même, qui ont regretté de n'avoir pas patienté. Allah nous a rendu Sbiru. Allah donne aux patients, il récompense les patients sans compter. Sans compter. Patientez, mes soeurs, mes frères, patientez. Ça va finir. Quand la, il y aura une fin du monde, on a déjà parlé des signes précurseurs, quand il y aura une fin du monde et que l'injuste va être ressuscité pour être jugé et récompensé par ce qu'il mérite, il va penser qu'il ne resté qu'une heure dans ce bas bon monde-là. Donc il faut patienter. Il n'y a pas de preuves qui ne, ne passent pas. Ma mère disait, qu'elle fasse miséricorde. Si une chose ne veut pas passer, qu'elle ne vienne pas. Quand elle est venue, c'est déjà passé, nécessairement. Allah, si elle est venue, parce qu'Allah a décrété que la chose va venir. Et s'il est venu, forcément, elle va passer. Et donc, patientons. Patientons. Le prophète disait, il n'a pas été donné. Il n'a pas été fait d'un don aussi précieux et aussi large et aussi que la patience. La situation du croyant m'étonnera toujours, a dit le Prophète, c'est comme ça que l'on traduit, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée, la situation du croyant m'étonnera toujours. et m'étonnera toujours, disait le Prophète. Quand tu arrives à un bien, il remercie Allah pour ce bien, et ceci est compté, parce que le remerciement, c'est la moitié de la foi. Ceci est compté comme du bien, et quand tu arrives à ce qu'il n'aime pas, il patiente et ceci est compté comme du bien et ceci n'arrive qu'aux croyants comme il a dit à l'islam Allah nous ordonne donc il a et la patience on a dit donc c'est l'obéissance et résister à la désobéissance et la troisième c'est accepter le destin donc quand on n'y est pas pour grand chose c'est accepter les épreuves qu'Allah nous envoie en nous privant de ce qu'on aime en nous donnant pas forcément ce qu'on aime en reprenant ce qui lui appartient, etc., etc. Ça, ce sont les trois aspects de la patience. Allah donc dit, il y a amanu Ammanon, ça, bureau? c'est-à-dire persister dans la patience. Ne soyez pas seulement patient, mais résistez. Et Ibn Qayyim disait, résistez aux attaques de Satan, parce que tant que tu as envie, il va t'attaquer. On a vu la semaine dernière et vous le saviez déjà. Dès que l'enfant naît, il est piqué par Satan et il pousse un cri depuis la naissance jusqu'à la mort. Persister dans la patience et résister aux attaques de Satan. Et ces attaques vont donc par ces six ou sept portes. Et résister. Rappelle-toi qu'Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a mis, donné une citadelle pour couvrir ce qui est le plus précieux de toi-même, c'est-à-dire ton cœur. Et le professeur nous a, mis en, il nous a mis en garde. Hein. Il a dit, Satan circule dans le Fils d'Adam comme le sang circule dans le corps. Et certains y ont vu la source du sang des, qui circule dans le corps, c'est le cœur. Certains y ont fait un parallèle. Bref, résiste, continue à résister. Et il dit, wa wa Et restez vigilant. Le ribat en arabe, c'est ce qui a donné rabat d'ailleurs, pour peut-être même des Marocains qui ne savent pas ce que ça veut dire. Rabat, ribat, et c'est ce qui a donné également marabout. Ça vient de là. c'est ce qui a donné marabout en français. c'est-à-dire restez vigilant. Le ribot... Quand il y a une garnison, c'est ceux qui surveillent la garnison. Les soldats sont à l'intérieur. Les plus exposés des soldats sont ceux qui surveillent la garnison. Si l'ennemi arrive, c'est sur eux. Ce sont les premières victimes. Donc, d'où la vigilance. La vigilance, ils se le ribotent. Et ils ont, par rapport aux autres soldats, une récompense. Si c'est fait pour Allah, qu'Allah se le sait qu'Allah Allah se le sait. Ils ont beaucoup plus de récompenses que les autres. Et donc Allah dit il a dit restez vigilants. Restez vigilants par rapport aux attaques de Satan. Satan a juré de vous amener en enfer le moindre, la moindre distraction il risque de vous amener là où il espère. La patience ne suffit pas. Redoubler de patience ne suffit pas. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Allah la patience ne sert pas à grand-chose si ce n'est pas fait pour Allah. Il y a des animaux qui sont plus patients que les hommes. Ça ne leur servira pas. Il y a des non-croyants qui sont plus patients dans l'épreuve que des croyants. Ça ne leur servira pas. Parce que tout ce qui n'est pas fait pour Allah est appelé à disparaître et n'est pas récompensé. Et donc la, la piété, la crainte d'Allah avec son amour et, et l'espoir en sa récompense, c'est ça qui fait la source de la récompense. Et donc ta patience doit être, sabruka il comme Allah le dit, sabruka ya muhammad, sallam, patiente, mais tu ne saurais patienter que grâce à Allah. C'est Allah qui donne cette patience, et donc cette patience, cette persistance et cette vigilance vont de pair. C'est trois mots qu'il faudrait retenir de ce soir, allah. le dernier n'étant pas le moindre, la vigilance derrière un regard anodin il y a peut-être un très grand piège derrière une oreille qui traîne et qui ne fait pas attention à ce qu'elle entend ça rentre dans le cœur et ça lui nuit derrière un mot mal placé un mot lâché tu n'as pas été vigilant et tu restes plus qu'à revenir vers Allah répondant derrière le fait de traîner avec ou de rester en compagnie d'eux parce que c'est ma belle-mère, parce que c'est ceci, parce que c'est mon copain, parce qu'on fait route ensemble, je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire. On a été créé pour vivre ensemble dans une société, mais choisi tes compagnons. L'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il a fréquentés, qu avec qui il est resté, il a aimé, avec qui il a choisi plutôt de vivre. Je dis bien choisi, je ne parle pas de. Le choix d'Allah subhanahu wa taala pour lequel nous ne serons pas interrogés. Et donc voilà quelques portes d'entrée. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont les principales portes d'entrée que les connaisseurs entre guillemets de l'âme et du cœur ont indiquées au travers de toujours sur les deux sources de l'islam. Ce n'est pas ils n'ont pas sorti ça de leur tête. Et toutes les portes, ce sont, ils ont les arguments tirés soit du Coran, soit de la Sunna, et qui sont les deux sources la vérité pure, puisque c'est de la révélation, puisque le Prophète ne parlait pas de lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende donc patients dans son obéissance, patients dans la résistance à Satan, patients surtout dans la vigilance, et qui nous donne la piété, puisque c'est celle qui fait tout, tout est monté au-dessus de ça. Et donc, que, afin qu'on soit heureux dans ce bon monde avant le-delà. Afin qu'on réussisse. La vraie réussite, bien entendu, ce n'est pas le diplôme. Sauf peut-être un diplôme qui va t'amener jusqu'au paradis, car subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses habitants, et on ne saurait y rentrer quand on voit tout ça. Qui d'entre nous pourrait te penser, te compter sur lui-même Sauf l'ignorant. Sauf l'ignorant. En effet, l'ignorance, c'est ce qui amène à la non-vigilance. Quand Allah t'a prévenu au travers de ce qu'il a envoyé et donc, la hawla wa la kwa ta illa billah, voilà une expression que l'on aime tous, qu'il faut répéter, mais surtout de savoir que n'est sauvé que celui qui Allah subhanahu wa ta'ala protège. Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait souvent Celui qui Allah guide, voilà le bien guidé, celui qui est privé de sa guidée tu ne le trouveras pas un guide. Et donc, sans Allah, on est perdu. Sans Allah, on est égaré. Sans Allah, la destination est connue. Donc le loup et tous les lui appartiennent. On lui demande de déverser encore un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed, par lequel Allah a ouvert les yeux de l'aveugle, ouvert les oreilles du sourd, fait parler de son rappel le mieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous associe à ce qu'il a comblé de ses bienfaits, à savoir les prophètes, les gens véridiques ou très véridiques, les martyrs témoins et les gens qui font du bien. Et lui seul peut nous accompagner et nous compter parmi cette belle compagnie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته